Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 10 de Fortnite chapitre 3 saison 1. Alors il faut savoir que les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h. Alors le premier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des joueurs avec une grenade collante. Donc les grenades collantes c'est celle-ci. Voilà, donc vous allez devoir en trouver sur la map. Donc il y en a un peu partout, hein. Il y en a dans les coffres, posés au sol comme ça par terre. Donc voilà, je pense que vous pouvez en trouver facilement. Mais ce que je vous conseille, c'est quand même d'aller en foire d'empoigne pour réaliser ce défi. Parce que si vous en trouvez et qu'ensuite un adversaire vous tue, vous allez devoir rechercher après des grenades collantes pour refaire le défi. Donc ça va être un peu galère. Donc moi, je vous conseille d'aller en foire d'empoigne. Comme ça, vous serez, si vous mourrez, vous pourrez retenter votre chance. Parce que vous allez devoir infliger 100 de dégâts aux adversaires pour terminer le défi. Donc il faut déjà coller la grenade près d'un adversaire pour infliger des dégâts. Donc il va falloir bien viser. Après peut-être, normalement, peut-être que ça fonctionne contre des lamas. Ça peut fonctionner aussi contre des PNJ, donc les personnages non jouables de la map. Ou alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est infliger contre des requins. Mais c'est quand même un peu galère de toucher un requin qui se trouve par exemple par ici avec une grenade collante. Donc c'est plutôt galère. Donc là regardez, moi je suis en foire d'empoigne. Là j'ai des adversaires, j'ai un adversaire en face de moi. Donc j'ai juste à m'approcher de cet adversaire et ensuite essayer de lui infliger 100 de dégâts avec ma grenade collante pour terminer le défi. Donc normalement ça devrait pas être compliqué en foire d'empoigne. En plus de ça, j'ai trouvé deux stacks de grenades collantes. Donc c'est des stacks de 3, là j'en ai 6. Donc c'est un peu... C'est plutôt pas mal quoi. Donc là on va chercher un adversaire. En plus en foire d'empoigne, ce qui est bien c'est que les adversaires sont pas très très méfiants. Voilà, ils se sentent un peu plus en sécurité. Regardez, hop là il y a deux adversaires. Boum, je lance 2-3 grenades. Et regardez, j'ai infligé 200 de dégâts. Comme j'ai touché plusieurs adversaires, j'ai fait 200 de dégâts en une seule grenade. Alors n'hésitez pas à vous suicider avec... avec votre adversaire pour vraiment terminer le défi. Parce que dès que vous allez toucher l'adversaire avec la grenade collante, vous aurez infligé 100 de dégâts et vous aurez terminé le défi, ce qui vous rapportera des XP. Ensuite, le deuxième défi va vous demander de rester au moins 3 secondes en l'air avec un véhicule. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est d'aller juste ici sur le gameplay, donc à côté de Sanctuary. Donc vous venez juste ici près du monument. Ensuite, vous prenez le véhicule qui est un bateau. Hop, vous prenez ce véhicule. Ensuite, vous montez sur la roche côté par où je suis en train de passer. Vous mettez un petit boost pour monter. Et là, vous allez voir que quand je vais m'approcher du bord du monument, regardez, mon bateau va commencer à s'envoler. Et là, en fait, vous allez réussir le défi super facilement parce que, en fait, vous allez rester plus de 3 secondes en l'air grâce à cette petite technique. Donc voilà pour cette petite astuce, dès que vous aurez volé 3 secondes avec votre bateau en faisant la technique que je viens de vous montrer, là vous aurez terminé le défi et vous aurez débloqué les récompenses. Ensuite le deuxième défi va vous demander de construire des structures, donc là rien de plus simple, essayez de farmer de la construction, ensuite vous allez devoir construire 20 structures pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite le quatrième défi va vous demander d'utiliser des bandages. Donc là, pareil, rien de plus simple, vous trouvez des bandages et ensuite vous infligez des dégâts pour pouvoir utiliser des bandages. Alors il va falloir utiliser 10 bandages pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Alors ensuite, le cinquième défi va vous demander d'attraper une arme en pêchant. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous diriger à côté de Cover Caverne, donc juste ici sur cette petite île. Vous allez voir qu'à cet emplacement, il y aura des cannes à pêche. Il y en aura 2, 3, 3, 4 même cannes à pêche que vous allez pouvoir récupérer. Et regardez, vous avez énormément de coins de pêche. Donc les coins de pêche, les ronds blancs qu'on voit dans l'eau. Donc à ces emplacements-là, vous allez pouvoir pêcher et récupérer des armes. Même s'il n'y a pas besoin de coins de pêche, vous pouvez pêcher n'importe où pour récupérer des armes. Mais en tous les cas, au moins si vous venez à cet emplacement-là, vous serez tranquille pour pêcher. Donc hop, vous trouvez une canne à pêche.
Donc là, il y en a une ici. Enfin, il y en avait même deux. Et là, il y en a encore une ici. Donc, il y en avait trois déjà. Et parfois, ben, il y a même une canne à pêche qui traîne ici, en plein milieu. Donc, dès que vous avez une canne à pêche, ce que vous allez devoir faire, c'est pêcher. Donc, soit dans des coins de pêche ou soit hors coin de pêche. Mais je pense que vous avez plus de chances de trouver une arme dans des coins de pêche que dans hors coin de pêche. Donc, quand je dis hors coin de pêche, c'est par exemple ici. Après, c'est possible que vous trouviez plus facilement une arme hors coin de pêche. Mais voilà, je sais pas trop, je pêche pas vraiment. Mais en tous les cas, pour pêcher une arme, il va falloir pêcher. Ça, c'est sûr et certain. Donc là, hop, j'ai pas réussi à obtenir une arme. Donc, je vais continuer dans les coins de pêche. Parce que je pense qu'on a plus de chance. Donc, je vais garder ma théorie en tête. Hop, on continue. Donc là, vous pêchez jusqu'à temps que vous obtenez une arme. Donc, ça peut être un pistolet, une mitraillette, un pistolet mitrailleur, un pompe, un snipe. Ça peut être n'importe quoi. Donc là, j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu d'arme. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pêcher juste ici à droite. Hop. Et on va continuer jusqu'à temps que j'obtienne une arme. Ok, voilà. Regardez, là, j'ai réussi à avoir le nouveau pistolet automatique qui est arrivé mardi sur Fortnite. Et donc, dès que vous aurez obtenu une arme, dès que vous aurez pêché une arme, ben vous aurez terminé le défi. Alors peut-être, là je viens de penser à un truc, peut-être que si vous prenez une canne à pêche et que vous pêchez une arme comme ceci, peut-être que ça fonctionne. Hein. Ah, faudrait essayer. Alors je pense pas que ça fonctionnerait parce que ce serait un peu trop cheaté. Déjà que le défi est assez facile. Mais bon, voilà, vous pouvez toujours essayer de pêcher une arme qui est déjà posée au sol. Sinon, ben, il faudra pêcher une arme vraiment dans l'eau. Enfin bref, quand vous aurez pêché une arme, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le sixième défi va vous demander d'utiliser différentes tyroliennes en une seule partie. Alors pour réaliser ce défi, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des tyroliennes de Fortnite chapitre 3 saison 1. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre ici. Pour réaliser le défi très facilement, c'est en dessous de Greasy Groove. Vous vous rendez près des éoliennes, comme je suis en train de le faire. Et là, vous pouvez remarquer par vous-même qu'il y a énormément de tyroliennes. Donc déjà, je vais prendre cette tyrolienne-là, hop, pour me valider la première tyrolienne. Ensuite, je remonte. Et pour terminer le défi, il va falloir utiliser 3 tyroliennes. Donc je prends celle-là. Ensuite, j'utilise celle-ci. Ensuite, j'utilise celle-ci et là, logiquement, j'aurais terminé mon défi parce que j'ai utilisé 3 tyroliennes différentes en une seule partie. Bien évidemment, vous pouvez faire ce défi n'importe où vous le voulez. Même là, regardez, près des gros poteaux bleus, il y a des tyroliennes qui se rejoignent. Donc, vous pouvez les utiliser aussi. Vous pouvez faire ce défi n'importe où. Moi, je vous ai juste montré un emplacement où vous allez être tranquille pour réaliser ce défi. Et quand vous aurez utilisé 3 tyroliennes différentes, bah là vous aurez terminé le défi et vous aurez débloqué les récompenses. Ensuite, le 7ème défi va vous demander de détruire des boîtes aux lettres à Sleepy Soon ou à Tilted Tower. Donc moi je vais vous montrer le défi à Tilted Tower parce que c'est plus simple. À Tilted Tower, il y a blindé de boîtes aux lettres. Mais sinon, si vous allez à Sleepy Soon, ici il y a 3 boîtes aux lettres. Il y a une boîte aux lettres en plein milieu, il y a une boîte aux lettres à gauche et il y a une boîte aux lettres à droite. Vous pouvez vous rendre à Sleepy Soon pour en détruire 3 et puis ensuite venir à Tilted Tower pour en détruire les deux dernières. Ou alors vous venez directement à Tilted Tower et vous détruisez 5 boîtes aux lettres pour terminer le défi. Donc les 5 boîtes aux lettres, c'est celle-ci. Il y en a une ici. Il y en a une deuxième devant l'horloge. Il y en a une troisième qui est juste en face de moi. Voilà. Il y en a encore une quatrième là-bas. Donc là, c'est la troisième. Une quatrième juste ici devant Pizza Pete. Franchement, ici, il y a vraiment énormément de boîtes aux lettres. C'est les mêmes boîtes aux lettres à Sleepy Soon. C'est exactement les mêmes boîtes aux lettres que celle-ci. En fait, c'est des boîtes aux lettres pour plusieurs appartements. Pareil, de l'autre côté à Sleepy Soon, c'est un petit village. Enfin, un petit village. Donc, ils ont des petites boîtes aux lettres comme ça que vous allez devoir détruire pour terminer le défi. Donc là, il y en a encore une cinquième. Je crois que c'est la cinquième ou peut-être la sixième. Je vous ai présenté. Non, je crois que c'est la cinquième. Là, il y en a une sixième. Voilà. Je pense qu'il y en a encore de l'autre côté. Bon, en tous les cas, je vous en ai montré quand même pas mal. Ouais, donc là, regardez, il y en a une septième juste ici. Et je pense que c'est tout. Après, c'est possible qu'il y en a un peu plus. Mais je ne les ai pas toutes trouvées. C'est possible, je ne sais pas. En tous les cas, là, je vous ai montré 7 emplacements. Dès que vous aurez détruit 5 en boîte aux lettres,
Addicted to Work ou à Sleepy Swoon, bah là vous aurez terminé le défi et vous aurez débloqué les récompenses. Ensuite, le huitième défi va vous demander de fouiller des boîtes de munitions. Donc là, vous allez devoir chercher dans toute la map après des boîtes de munitions et vous allez devoir en fouiller 15 pour terminer et valider le défi pour débloquer les récompenses. Et enfin, pour finir, le neuvième et dernier défi va vous demander de réussir des éliminations avec des pistolets. Alors par contre, pour ce défi, c'est peut-être possible de le faire avec des pistolets normaux ou alors avec des pistolets mitrailleurs ou alors des pistolets automatiques. Alors je ne sais pas, peut-être que ça fonctionnera avec des pistolets mitrailleurs, mais c'est possible que vous ne devez utiliser qu'un seul pistolet normal. Donc si ça fonctionne avec les pistolets mitrailleurs, tant mieux. Mais si ça ne fonctionne pas, ben, il faudra utiliser un pistolet normal pour réussir deux éliminations pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 10 de Fortnite, chapitre 3, saison 1. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh.